vois, c'est bien. Tu es décidé, tu prends les entraînements au sérieux. Je suis très content. Débrouille ton sac et viens. Je suis fier de toi. Tu as commencé les entraînements. En tout cas, tu prends les entraînements au sujet. Je suis très content de toi. Donc, on va commencer les échauffements. Et ensuite, il y a un petit cadeau pour toi. C'est le bon du pied. Mais descends! La souplesse te manque. Il faudrait beaucoup travailler pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est le travail qui paye. On va voir. Gentiment qu'avait plié la France, motivé depuis l'adolescence. Dieu m'a donné la voix et l'intelligence. Dieu m'a donné l'attaque et puis la défense. J'avais le fruit de l'inverse que Dieu appelle chance. En sous-effectif, je cours avec plus de vaillance. J'ai consommé l'amour à outrance. J'emmerde Jean-Marie depuis la naissance. Ainsi que sa fille Laura en temps. Moi aussi j'ai trouvé ça dégoûtant. Mais seras-tu Charlie après l'automne? Selon le vent et selon l'iPhone. Regarde mes frères et je sais ce qu'ils pensent. Restera-t-il qu'à l'âge malgré l'avance? Même après la guerre, je ne jette pas ma lance. À part le mépris, rien ne vaut mon silence. Bon, aujourd'hui, il y a quelque chose pour toi. Un petit cadeau. Pour les champions, hein. Ça va. Pas pour les... Il rêve de devenir champion aussi. Même moi, c'est bien. Ça, c'est pour toi, ça. Merci. Non, ne m'appelle pas maître. Appelle-moi MK. Merci, MK. Tu sais très bien que nous sommes des frères. Donc, tu peux m'appeler MK. Mais fais attention. Faut pas qu'ils vont savoir que je t'entraîne. Pas de soucis, maître. Personne ne doit savoir. Pas de soucis. Wow. Ça va travailler plus. Ça marche. Peuple a confiance. 8,5 au devoir n'est pas signe de déficience. Réfléchis juste à la vraie vie et mon avenir durant mes absences. Hypocrisie camouflée sous drapeau tricolore de tolérance. Bon français, quand ça se passe bien, devant l'échec reviennent les différences. En vrai, en vrai, je ne me brille à mon sombre est lâché. En vrai, Dieu m'a donné la voix et l'intelligence. Dieu m'a donné l'attaque et puis la défense. J'avais le fruit de l'inverse que tu avais chance. En sous-é-
avec plus de vaillance. J'ai consommé l'amour à outrance. J'emmerde Jean-Marie depuis la naissance. Ainsi que sa fille au longtemps. Moi aussi j'ai trouvé ça dégoûtant. Mais c'est la plus Charlie après l'automne. Selon le vent et selon l'iPhone. Amoureux du son depuis la naissance. Papa joue du bob avec aisance. Humeur allumée, je sens des présences. Ouais, travaille. Depuis l'enfance. C'est les parents de mon travail. Connaissance. Pas grâce à l'école et son insouciance. Si mon peuple était si méchant qu'il le prétend, la fille ne souffrirait pas en silence. Dire que tu me tolères est signe de colère cachée. Le commissaire et sa commère avaient vraiment l'air fâchés. Le petit moi quand est libéré, ça parle de complot anti. De bavure à mon sang, la sortie est cédée. Ils ont des larmes, ils sont noirs, donc la vie devient gonflée. Ces chanteurs, ça pensait, oh mon Dieu, tu es le. Ça va. C'est qui ce type avec les bandes sur la main? Oui. M'intéresse ce gars. Car j'ai un combat avec MK les catalyseurs. Je pense que ce type, c'est du loup pour lui. Son style de combat me plaît. Car c'est un démolitaire. Il va démolir ces MK. Après son combat, il faut dire qu'il y a besoin de lui. Que c'est le Meleke Fator qui demande après lui. Ouais, Pédi, c'est ça. Hein. En tout cas, pendant tout ce temps, on s'entraînait ensemble. Je vois que tu es déjà prêt pour le combat. Voilà, c'est à toi maintenant. Demain, tu sais que tu as appris pendant tout ce temps. En balai, en action. Et comment aller toujours? Entraînement dur, combat facile. La mère est entraînée dur. Normalement, ton combat doit être facile, comme de l'eau à boire. Voilà, c'est ça. Voilà, un entraînement, quand tu t'amuses, sur le ring, tu peux rien faire. Ben, tu vois, juste aller t'amuser là-bas. Mais quand tu as l'entraînement, quand c'est du sérieux, tu travailles normalement, tu respectes ton maître, sur le ring aussi. C'est quelle victoire seulement, quoi. Voilà. Donc, c'est quand tu souhaites bonne chance. Voilà, mets la tête, puis tu as eu un mètre, voilà, et puis ce qui t'a appris, je sais pas, tu vas oublier. Voilà, les premiers détails, voilà, comment faire pour effrayer, comment faire pour... Non, tu vas remporter la médaille sans problème. Si mon peuple était si méchant qu'il le prétend, l'Afrique ne souffrirait pas en silence. Dire que tu me tolères est signe de colère cachée. Le commissaire et sa commère avaient vraiment l'air fâchés. Le petit moi quand elle libère sa part de confort entier et de bavure.
décédés, ils ont des lances, ils sont noirs, donc la vie est gonflée. C'est gentil, ça pense au mon Dieu, tu es les. Ça va bien? Moi c'est Meleke Fanto. Ok, moi c'est Glad of Thor. Donc il fait tout son stage. J'avais le feu de la blessure. Sous-effectif, je cours avec plus de vaillance. Ok, à quel sujet? J'ai un combat à mener contre MK les catalyseurs. Il a mis mon petit frère dans les poumons. Et ta manière de te battre, ta rage de vaincre. J'ai aimé ça, tu es partant. Je suis partant en condition. Les conditions seront bonnes pour toi. Oui, ok, pas de soucis. Ensemble. Quand tu es prêt, je suis prêt. M catalysé, tu vas. Je sais pas comment je dis, mais le point d'acier, tu vas recevoir ça bientôt. Grâce à l'école et son insouciance. Si mon peuple était si méchant qu'il le prétend, l'Afrique ne souffrirait pas en silence. Dire que tu me tolères est signe de colère cachée. Je vois qu'en vrai les gens, il y a confiance à toi. Allez, en face. Faut attendre que ton président, ton président sera vengé. Même quand les catalyseurs, il est mort avec lui. Ils ont des lances, ils sont noirs, donc la vie est gonflée. Ces chanteurs, ça pense à mon Dieu, tu es les. Je suis très content de toi. Tu as fait des progrès. Je sais que maintenant tu peux relever un défi. Ok, donc on va arrêter l'entraînement ici. Merci, merci. Il faut au premier. Oui. Tu regardes le ciel. Dis-moi, tu vois quoi? Je vois les nuages. C'est ça ton problème. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Regarde ce qui se trouve derrière les nuages, tu verras.